work it, make it, do it. Makes us all the better, faster, stronger. Work it, that, harder, that, that, that don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up, man. Cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. Salut YouTube, c'est Laxis. J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien. Et on va débuter ensemble une nouvelle série Pokémon. Cette fois-ci pas en motive challenge comme d'habitude, mais en let's play d'épisode Pokémon normal sur Pokémon version blanc 2 sur Nintendo 3DS. Voilà, donc c'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment déjà, mais j'ai jamais fait de vidéo dessus, donc j'ai décidé d'en refaire. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui me suivent sur Rosa, je continuerai mes let's play en mode challenge prochainement, mais en fait je vais alterner, parce qu'un ami sur Facebook m'a demandé que je fasse des épisodes Pokémon Blanc 2, et comme c'est ce que je comptais faire, bah, j'ai accepté. Voilà. J'espère que cette série vous plaira. Donc on est parti. Alors, nouvelle partie. Bon, et aussi, je voulais vous dire, c'est une nouveauté pour moi, parce que je fais la vidéo un soir dans la semaine, d'habitude c'est que le week-end comme certains le savent, mais c'est qu'en fait aujourd'hui ça peut vous changer les idées, même si vous en foutez, mais demain en fait je passe mon examen code de la route, donc pour changer un peu les idées j'ai décidé de vous faire plaisir et de faire une vidéo, et en même temps pour me faire plaisir. Allez, on est parti. Hello, bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Keteleria, mais tout le monde m'appelle Professeur Pokémon. Alors, mignon. Et oui, ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Attendez, juste, hop, voilà. Les Pokémon ont tous des pouvoirs, une apparence et un habitat particulier. Ah, voilà. Ils vivent en paix avec les humains. Ils se complètent, s'entraident. Et il leur arrive même de faire de grandes choses ensemble. Les combats de Pokémon, par exemple, sont très populaires. Et permettent d'approfondir les liens entre un dresseur et son équipe Pokémon. Et donc moi, justement, j'étudie ces fameux Pokémon. Bon, j'en ai fini avec mon monologue. Parle-moi un peu de toi. Bon, es-tu un garçon ou une fille? Sympa sur... Pokémon Blanc 2, comment ils ont fait les personnages. On va prendre le bal garçon. Ouais. Alors le nom va s'appeler Laxis. Donc pour éviter les questions, j'ai filmé avec une caméra. Hop. Oula. Parce que la 3D capture board est illégale en France. Oups, mince. Effacer Y2S. Voilà. Laxis, c'est ça? Ouais. Je t'appelle Laxis, j'adore ce nom. Et maintenant, pourrais-tu me parler de ce garçon un peu plus âgé qui habite près de chez toi? Pourrais-tu me rappeler son nom? On va laisser Mathis, hein. J'ai pas d'idée, donc... C'est bien Mathis, n'est-ce pas? Ouais. Laxis! Quand je te fais confiance, je vais te confier un Pokémon. J'espère que tu en prendras bien soin. Dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton fidèle compagnon de voyage, ton aventure commencera.
Au cours de tes pérégrinations, tu vas rencontrer d'innombrables Pokémon, une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. J'espère que tu retireras quelque chose d'unique de toutes ces rencontres et qu'elles te feront grandir. C'est l'objectif principal de ces voyages. Bon, trêve de bavardage, en route pour le monde des Pokémon. C'est parti mon kiki. Ça commence bien, été. Ah oui, c'est une nouveauté ça, dans Pokémon Blanc 2. Il y a les saisons. Ils affichent bien les saisons, ils ont décidé les éditeurs de bien afficher ça. Voilà. Sympa la cinématique. Je crois juste là. Hop. Ah. Alors. Ah, téléphone. Allô? Allô? Oui? Qu'était le Ria? Ça faisait si longtemps. Un Pokédex pour mon trésor. Mais ce serait génial. Je me disais justement qu'il était grand temps que... mon enfant vole de ses propres ailes. On peut pas grandir le... Ah non, dommage. Oui, elles viennent d'ici, tu dis? Comme toujours, quand tu as une idée en tête, tu ne perds pas de temps. Bien ok, avec un gros chapeau, bien entendu. Oui, 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 d'accord, bien sûr. Hop. Alors, Laxis, coucou. Voilà, je suis là. Sympa la chambre. Wouhou. On se balade un peu. On se balade. Laxis consulte son PC là. Béaba, machin. Enfin, qu'il sauvegarde quand même tout de suite. Hop, abonné. Et ça me rappelle trop les sauvegardes et une autre choquée. Voilà, allez. Est-ce que la poubelle elle est vide? Ouais. Hop là. Tu connais le professeur Ketelaria, mon trésor? Une célébrité spécialiste des Pokémon. Une vieille amie aussi. J'étais en train de discuter avec elle. Je sais que c'est un peu soudain cette question, mais dis-moi mon trésor, tu ne voudrais pas un Pokémon? Bien sûr. Bien, première étape réglée. Maintenant, tu connais Pokédex, évidemment. Ah, tu te tiens de ta mère, c'est sûr. Une tête bien faite et bien pleine. C'est pratique, n'est-ce pas? C'est cet outil qui enregistre automatiquement les Pokémon. Question suivante, alors. Voudrais-tu un Pokédex? Ouais. Deuxième étape réglée. Hihi. Mon trésor, ta carrière est toute tracée. Une jeune fille qui s'appelle Bianca va venir en ville pour te voir. C'est l'assistante de Ketelaria. Tu ne peux la manquer avec son chapeau. Et elle sera là pour toi, mais je ne sais pas où elle t'attendra. Elle doit te donner, tadam, un Pokémon et un Pokédex. Tu ne t'y attendais pas, hein, je te prie. Je te parie. Au fait, j'ai mis le Voki dans ton sac. Tu sais comment l'ouvrir? Bah ouais. Tu dois rencontrer Bianca, une fille avec un énorme chapeau. Comme c'est la première fois qu'elle vienne ici, je ne serais pas surpris qu'elle va la chercher. Ok, donc là, on va devoir aller chercher une jeune fille, apparemment avec un gros chapeau. Qui se surnomme Bianca. Laxis! Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, notre rival. Alors, ça y est, t'as enfin un Pokémon ou toujours pas? Y a pas de dresseur dans ce trou perdu. C'est d'un barbant! Hein? Y a une fille qui s'appelle Bianca qui va te donner un Pokémon, sérieux? Laxis. Si tu reçois un Pokémon, surtout, prends un grand soin. Elle a raison. Allez, on va aller chercher ton Pokémon. Parce que j'ai des trucs à faire avec toi après. Il n'y a pas que les Pokémon sur qui on peut compter. Il y a des gens aussi. Eh, j'ai confiance en toi. Bon, on y va? D'accord. Allez, au revoir, Laxis. Salut. Bon, faut qu'on trouve Bianca, c'est ça? Allez, hop. Allez, c'est parti. Donc, on est parti cette fois pour... trouver Bianca. Et on a déjà un centre Pokémon sympa, on sort de notre maison, il y a déjà un centre Pokémon pas loin.
Hop, c'est quoi? Vers Belvedere, pavonné, vue panoramique. Vue panoramique. Allons voir la vue panoramique. Hop. Hop. La colline. Je suis sûr qu'elle est sur la colline, t'as bien chaude là. C'est une fille, elle va admirer le paysage, surtout si elle est jamais venue à pavonner. Allez, va récupérer ton Pokémon. Donc apparemment, elle est là. Bah la voilà. Une petite blonde. Quel beau paysage. Dis, tu n'es pas d'accord? Pardon, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Bianca. Je suis l'assistante du professeur Keteleria. Tu habites ici? Alors, tu pourrais m'aider? Je cherche quelqu'un qui s'appelle Laxis. Tu connais cette personne? Ouais. Ah, justement, des lunettes. Mais c'est toi, en fait! Quel changé! Ouh, soulagement. Bonjour, je suis trop content qu'on se rencontre. Bon, je dois te poser quelques questions d'abord. Est-ce que tu veux essayer de compléter Pokédex? Merci! Grâce à toi, les recherches du professeur vont bien avancer. Surtout que remplir le Pokédex est vraiment trop amusant. Et maintenant? Tadam! Ton futur partenaire se trouve là-dedans. Attention les gens, ouvrez grand vos yeux. Et hop là. Alors, dans cette version de Pokémon, on a un Pokémon de type feu, Grouikui, de départ. Pokémon de type plante, Vipélière. Et Pokémon de type eau, Moustillon, les amis. Alors, quel Pokémon vais-je prendre? Personnellement, je suis vraiment pas fan des types plantes, donc Vipélière, c'est même pas la peine. Après, on va prendre Moustillon. J'aime bien. J'aime bien Moustillon. Allez. Donc on obtient notre Moustillon. Un Moustillon, c'est un choix parfait pour toi, vous vous ressemblez. Tu veux lui donner un surnom? Ouais. On va l'appeler... un nom comme ça que j'invente, hein. Même si c'est pas terrible, c'est pas grave. Hop. Z. Y. J'appelle Kazi. Kazi, ça te va comme surnom? Ouais. Je trouve que c'est un super nom, Kazi. Et crois-moi, j'ai beaucoup de goût. Si tu le dis. Étape suivante, le Pokédex. Donc là, nous offre notre Pokédex. C'est cool, c'est cool. C'est une machine high tech qui réalise automatiquement le Pokémon que tu rencontres. Incroyable, non? Mais ouais. Bah, bref, on s'en fout. Allez hop. Bref, allez hop, on descend. Bon, tu comptes me faire poireauter encore longtemps? Alors, c'est lui ton partenaire. C'est très bien ça. Tu te rappelles ce que je disais à ma frangine? Il faut en prendre soin. Et ce truc là, c'est quoi? C'est un Pokédex. J'en veux un moi aussi. Je veux devenir plus fort. Et avec le Pokédex là, je connaîtrai mieux les Pokémon, donc je deviendrai plus fort. Tu es qui toi? Moi, c'est Matisse. Je cherche quelque chose d'important. Alors, je voyage dans une île avec mon partenaire Pokémon. J'ai pas bien compris tes histoires, mais c'est bien si tu peux voyager. Tu as de la chance, j'ai un Pokédex de trop. Les Pokémon vivent plus au même endroit que j'avais exploré au Nice. Plus on est de gens à les étudier, plus on aura de bons résultats. Dis, j'ai une idée. Vous avez des Pokémon tous les deux. Vous pourriez faire un duel. Ok. Mince. Hop. Donc là, on va prendre notre premier combat. Un bec. Je vais voir quel genre de dresseur t'es comme ça. Mon Vipélière, je l'élève depuis qu'il est sorti de l'œuf. Ça m'étonnera ce qu'il vient de te le donner, mais bon. What the fuck. Faut que tu l'étudies depuis qu'il est sorti de l'œuf. Allez. Bon bah là, vas-y, Kazi. Il est mignon, le moustillon. Et son petit coquillage. Ah, il est plus rapide. C'est charge. Par contre, les graphismes, ils sont bien moins bien moins importants que... Enfin, moins jolis que Pokémon Y et Pokémon Ruby Omega, mais bon. Ils sont tout de même pas trop mal. C'est les Pokémon, je trouve pas très bien fait. Bon.
suis sûr. Là. Aïe. Hop. Oui. On retente, vas-y. Ça va, il nous fait gros yeux. C'est sûr, au début, on a qu'à attaque Mimikyu, il charge, donc avec ça, on va pas faire grand-chose. Hop là. Et hop, les amis, Vipelia et KO, ça c'est fait. Et hop, bientôt le V16. Je n'ai pas pu le faire gagner. Ok, c'est parti trop vite. Tant pis. J'ai perdu, j'y crois pas. C'est pas comme contre un Pokémon sauvage. Pas grave, t'es un bon dresseur. C'est tout ce que je voulais savoir. Bon, je mets les voiles. Toi, tu t'entraînes dur, ok? Ok. Vos Pokémon se sont bien battus. Mais bon, ils sont encore faibles, car ils manquent d'expérience. Ça veut dire qu'il faut les entraîner. Bon, ton Pokémon est fatigué après un tel combat. On va l'emmener se faire soigner au centre Pokémon. Ok. Ils sont au Pokémon. Allez, viens, rentre. Hop. Donc je vais te faire découvrir le centre Pokémon. Infirmière Joël. Infirmière Joël. Hop, elle va nous soigner nos Pokémon. Merci, Infirmière Joël. Ensuite, le PC. C'est toujours avec des choses en écran. Et ensuite, par ici. Le meilleur pour la fin. La boutique Pokémon. Yeah. C'est là qu'on achète plein de choses. Ah, il nous offre des Pokéballs. Ça, c'est gentil. Merci, ma petite Bianca, chérie. Hop, elle est partie. Bon, les gens, on se retire là-dedans. Hop. Oula. What? Bonjour, tu dois être Bianca. Mon trésor a choisi un moustillant, donc. J'ai un bon pressentiment. Oh, j'ai failli oublier. Tiens, des chaussures de sport. Elle nous offre nos chaussures de sport. Te vont comme des chaussures. Comme des... Oula. Bref. Hop, c'est nouveau la petite. Moi, je voudrais te donner ça. Elle nous offre une carte. Donc sympa. Mais pourquoi il y en a deux cartes? Je voudrais que tu en donnes une à mon frère. Même si le chemin jusqu'à la mer est assez direct, la carte est bien pratique. Grâce à elle, on peut voir toute une île en un clin d'œil. Tu as l'air plus enthousiaste. Bon, bref. Voilà. T'es chiant dans l'airboard sur la 3DS, on peut pas voir en plein écran, c'est dommage. Oula, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. C'est dommage, ça, mais bon, c'est pas grave. Ok, bon les amis, vous savez quoi? On a combien de temps? Ça fait déjà pas mal, hein. On va s'arrêter devant le centre Pokémon. Et on ira faire un tour dans la prochaine vidéo, on avancera un peu plus, hein. Mais c'est parce que là, il est pas de bonne heure et j'ai envie en fait de faire un code. Et demain je passe mon examen, donc c'est important. Hein. Et donc, faut pas que je me couche tard. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'elle était un peu courte. Mais voilà, donc j'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Donc pensez à liker, à follow, à vous abonner. Je tenais juste à dire avant de quitter, je remercie tous ceux qui me regardent. Je remercie mes abonnés. Je remercie... ma communauté Pokémon sur mon groupe Facebook, que le lien sera dans la description. On est à maintenant 188 membres. C'est juste un truc de malade. C'est moi qui l'a créé. Franchement, merci à vous d'être actif et d'organiser des petits jeux concours Pokémon. C'est sympa. On peut s'amuser, parler de Pokémon. C'est tout bon, voilà. Merci aussi à mes abonnés. Hein. Je suis passé maintenant à 96 abonnés. Donc, comme je l'avais déjà dit, à 100 abonnés, je ferai une vidéo spéciale abonnés. Et voilà, bah, je pense avoir tout dit. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Laxis.